tiens. Je te laisse la place, je vais aller faire un petit pipi. Est-ce que tu peux ramener de l'eau, de la vraie eau? Ouais. Si t'as ça. Parce que je crois un peu de soif. Allez, c'est parti les amis, c'est l'Apex, training, ready. You can toggle your gun shield on and off while aiming down sights. Ça a pas l'air dégueulasse graphiquement. Ok, sprint. Ah mais c'est que là je jouais. Ah oui d'accord, ok. Donc sprint, space, jump. Ok, là je suis très bien. Ouh. Ah oui d'accord, tu peux te laisser glisser, ça c'est bien aussi. Oh weapons, même des weapons, c'est beau putain. Je trouvais pas ça super beau en stream etc, mais en fait à l'écran ça rend bien. Là je peux swapper la grenade. Oh, attends. Là j'ai une grenade de mes couilles et là j'ai une autre grenade. Ok, clac. Le health kit en 4. Donc grenade à thermite, horizontal wall of flame. Throw to start fuse. Et Arcstar stick. Then sticks then explodes after short delay. Mais j'en ai pas. Ok d'accord, donc ça c'est les trois types de grenades, ok très bien. Inside the supply bin you will find a weapon and ammo. Arm yourself. The battle calls upon you. Slaughter as many targets as you wish. Wow, attendez, en termes de volume, hein, on va. Le feeling des armes est pas mal du tout, hein. Ah oui, d'accord. Et là. Et là j'ai switché. Ah oui, ça c'est bien. Ça c'est bien, ça marche très bien ça. Attends, et t'as ping weapon. Ah ouais. Ah oui putain c'est stylé ça. Ça c'est hyper bien pensé quoi. Bon ça va, la 1070 de Manu fait le café sur le truc. Des fois ça ramouille un peu mais pas grand chose quoi. Bon le jeu a l'air d'être... Putain mais pourquoi le jeu sort de nulle part comme ça quoi, c'est ouf. On avait vu des trailers et tout parce que putain... Utility Mach Man Intelligent Example, or Dummy for short.
During a match, you or your teammates can get knocked down. But don't worry, with skill, everyone can have the chance to be revived. Just approach your dummy and hold the prompt button on your HUD to revive them. Bon, normal. Great! Welcome back, dummy! Now, here's a good thing to know. Each one of us has a unique tactical ability. You are Lifeline, and you have a health drone that distributes health to anyone next to it. Oh. Great job. Helping out your squad is the best, but sometimes they die. Sa mère la pute! Mais combien de fois? Mais en plus on s'en fout, je n'ai pas à Resident Evil! Mais combien de fois tu vas te faire baiser, putain? Mais toute ma vie. Putain! Mais t'as trop la confiance, toi ou quoi? Le jeu est vraiment très beau en plus. Mais combien de fois? Mais combien de fois tu vas te faire baiser, mec? On ne trompe pas! Une fois 1000 personnes! C'est ça! Et moi, tu peux tromper 1000 fois une personne. Y a pas de problème. Ah merde! Ah, mais moi, ça marchera toujours. Hein. Alors, je te jure, tu t'es fait prank par Giroud. Alors, tu le sens comment le truc? Ah, alors attends, ça c'est. Y a un truc là qui était différent. C'est qu'apparemment, quand ton pote meurt et que t'as son loot qui est là, tu peux prendre en fait son. Tu peux rester appuyé sur E pour récupérer en fait son beacon si tu veux quoi. Et du coup quand tu vois un truc comme ça, tu peux carrément ressusciter tes potes. Ça prend longtemps. Merci beaucoup Florian pour les 19 mois. Mais alors sinon, normal le truc, tu peux glisser, tu peux courir et glisser après. Tu glisses avec quoi? Avec contrôle. Et tu peux glisser en pente pour aller plus vite. Sinon, c'est très 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 simple. J'ai pour la grenade. Non, j'ai pour swapper la grenade, pardon. Enfin, pour prendre ta grenade et la swapper. Tu peux rester appuyé sur G pour prendre tes trucs. Du coup, t'as ton ult avec Z. Et tu vois, là, par exemple, comme c'est un personnage de soin, utiliser Q, ça fait un petit drone. Qui donne du soin automatiquement à tes coéquipiers. Et donc là, on va utiliser mon ulti. C'est cool parce que du coup, comme dans Overwatch, tu peux faire des teams pour que, genre, qu'il y ait un tank, un qui est là pour le soigner, tout ça. C'est cool ça. Alors attends. Là, par contre, du coup, les amis, j'ai pas écouté pourquoi. Ah, d'accord. C'est bon. Pourquoi je pouvais pas dropper le truc au même endroit? Et donc là, mon ulti, c'est d'avoir un care package. Mais le jeu est vraiment stylé, hein. T'as vu, il est plutôt joli. Très très beau. Ouais. Donc tu vois, par exemple, ça, si je reste bloqué, si je reste en glissade, je vais encore plus vite dans la pente. Ouais. Direction damage protection knockdown. Ah, il y a les ziplines. Apparemment, il y a aussi une mécanique de zipline. Merci, Blue. Benzaï, tu t'es fait pranker encore. Une pièce. Est-ce que tu peux tirer? Ouais, ça c'est cool. Alors si, voilà, l'autre gros truc, c'est que tu appuies sur... Tu fais clic du milieu, tu dis va là. Tu fais double clic, tu dis il y a un ennemi là. Ah. Et si tu restes cliqué, ça fait, tu peux dire genre il y a un mec qui se cache là, ça c'est des munitions, ça c'est machin. C'est tu peux cool, tout ça. Pinguer quoi. Tu peux tout pinguer avec clic du milieu quoi. Bon, du coup, quelles sont les légendes qui s'offrent à nous? Il nous manque Caustic et Mirage pour l'instant parce que le jeu est juste sorti. Donc t'as Bloodhound. Donc forcément, il a genre déjà tout un tas de skins. Alors t'as Bloodhound qui peut faire son ulti, c'est Transform into the Ultimate Hunter. Instant you senses. Tu peux voir les pistes et bouger plus vite. Son passif, c'est... voilà, tu vois un peu les mecs qui sont passés. Et... Tac, Griffry, les révèles. Enemies, traps, clues, route structure, in front of you. Ah oui, d'accord, tu peux voir à travers les murs, comme ça. Nickel, gratos. Ça a l'air pété. Donc ça, elle, c'est... elle a un drone de soins. Et en plus, voilà, tu ressuscites tes potes plus rapidement quand tu les... Parce que tu peux quand même les ressusciter normal, ouais. Tu vois. C'est s'ils sont dead, tu peux les rattraper, et puis t'as des trucs de respawn.
Alors du coup, t'as le petit scout là. Lui fait quoi? Scan a survey beacon to reveal the ring's nest location. Ah ouais, donc ça, visiblement, tu peux savoir où va être la future zone. Il a un grappin. Putain, ça c'est bien quand même. Et il a carrément un truc qui fait un zipline pour tout le monde. Cool ça. Donc en squad. Voice from the void, you hear a voice when danger approach. Dimensional rift, c'est cool ça. Ah ouais, tu peux faire un portail. Ok. Et into the void, reposition quickly through the safety of the void space, avoiding all damage. Ah, tu te téléportes. C'est super cheaté ça. Ça a l'air cheaté, ouais. Et Bangalore, le prince de Bel Air. Double time, taking fire while sprinting makes you move faster. Oh, c'est trop bien. Smoke launcher, fire high velocity smoke canister that explodes into smoke wall and impact. Ok. Et. Et le airstrike. Ouais. Bon, j'avoue que le gars qui veut regarder à travers les murs. Salut Khalil. Regarder à travers les murs et voir un petit peu les mecs qui sont passés, c'est que ça m'intéresse pas mal celui-là. Ah mais on n'avait pas vu Gibraltar. Il a bombardement de mortier, dôme de protection pendant 15 secondes. Ah c'est stylé ça aussi. Ah oui d'accord, et quand tu vises dans la croix, ça fait un bouclier en plus. À mon avis, c'est quand même le plus noob friendly lui. Qui doit-on prendre? J'aime bien elle. J'aime bien lui parce que on pourra peut-être un peu mieux voir où sont les gens. Ça, ma meuf est encore sur son set. Tu fais un signe bombardement. Ouais, je vais prendre ça parce que en. Attends, je veux juste voir vite fait. Bon, pour l'instant, les skins, elles sont pas dingo. Hein. On va pas perdre une oreille dessus. Ah si, ah d'accord, c'est au début il te montre le meilleur skin en fait. Ouais. Bon, on va jouer Gibraltar. Bah écoute, j'ai envie de dire let's go. Hein. Si je meurs vite, pour la prochaine. Bon, du coup, c'est du BR. Apparemment, on peut jouer en squad de 3. Ouais. Ouais, je pense que le portail. Ça va être le plus effectif, mec. Tu disparais pendant 60 secondes et tu peux faire le tour. Tu vois ce que je veux dire. Tu peux. Est-ce que t'es. Est-ce que les mecs avec toi peuvent le prendre aussi? Je pense. Ou c'est juste toi? Ah, tu dois jouer en squad de 3, il n'y a pas de solo. Ah, donc là, je vais popper avec 3, avec 2 autres mecs. Salut Butch X. King's Canyon. D'accord. On n'a pas le choix. Non, on va vous parler. On doit nous parler, non? Mais dites non. Open mic. Non, push to talk. Bah non, j'ai pas envie de jouer. Mais non, mais c'est mieux, on va rigoler, mec. Allô, monsieur l'ordinateur. Domenico. Allez. Joujoui. Putain, et j'ai mis le son à 50%, c'est déjà il est trop fort. Hello. Hello. Ça va être toi, Bush Canaille. Bush. Ouais. Alors? Testez-moi. Talk in the microphone. Oh, you speak French? Oui. Très bien. It's my first game. Welcome, man. Where should we go? Hasta luego. Let's make a choice. Land here. Here.
Ok. Ok, let's go. Ah, tu peux appuyer sur E pour arrêter de les suivre. Ah oui, donc en fait, ça joue tout seul. Très bien. Ouais, en fait, tu piques l'endroit où tu veux drop et ça te fait drop là. Ouais, wow. Par contre, la fluidité du moteur, ça n'a rien à voir. Hein. Eh, mais elle m'a pris mon truc. Sympa. Alors ça. Là, j'ai une arme, je sais même pas ce que c'est. Attention, Zekol Mikwert. Hein. En fait, le gars là, il connaît l'endroit, donc là, t'es en train d'aller où il a déjà tout ramassé, je crois. Putain, il a looté à la vitesse de la lumière. Pas grave. Donc j'ai mon dôme. Ah oui, et t'as le soin sur 4. Do you guys take everything already? You guys took most of the stuff. Okay, cause you guys took the cul de la crémière. But we're very short on ammo. Tu vois, parce qu'en fait, tu fais vraiment. Là, tu vois, il double clique juste et puis ça fait. Putain, je me fais feu, je trouve. Lui, il court en mode Naruto. Ah, mais t'as drop. Il avait l'air bien ce. C'est ce que tu dis, par exemple. Clac. Là j'ai un helmet. Du coup là il faut que tu trouves vraiment des trucs pour te. Un shield, c'est encore un helmet. Ah ça c'est cool. Parce que en fait j'ai déjà. Ah merde. Y'a des mecs, y'a des mecs. Contact, contact. Tu vois j'ai des petits shurikens explosifs. Il va à la bagarre, ils sont à la bagarre tes potes. Oui, je t'ai un peu laissé tout seul. Tu vois ça fait j'ai un petit bouclier ouais. D'avance. Pourquoi tu prends pas l'autre arme? Bâtard. Tiens, tiens, prends ça. I got you. Mais toi aussi t'as besoin de. Putain, mais il faut que je m'occupe de tout le monde. Ah merci. De rien, de rien. Tu vois ça c'est le. C'est son. Tout le monde peut se soigner. Toi j'ai bien fait d'être en retard. Je ramasse des trucs mon gars, mais je suis une poubelle quoi. J'ai vraiment pas beaucoup de munitions pour cette arme. You guys are good. Ah oui, mais t'as vu, regarde. J'avais oublié qu'on était dans un BR, qu'il va falloir bouger quoi. Ouais, il y a une zone. Comme il y a. Benzaï, c'est Goku qui arrive en retard pour sauver tout le monde. Je m'en fous, je balance une grenade dès que ça arrive. Ok. You connais the place? Oui. Attends, l'autre elle voulait aller je sais pas où mais...
Mais t'as fait le tour pourquoi, cocotte? Je cours, je sais pas où je vais. Je suis la ligne en fait. Tu as la ligne sur ta map, c'est la direction pour être dans la zone quoi. Ok, move, move, move. Go, go, go. Run for it. I'd like you to move it, move it. Uh-oh, target. Mais mets pas la pression comme ça, là. Putain, merde, ils sont à la perpète, là. Mais attends, j'ai une ulti, déjà. Ouais, ouais, faut bouger, là. Ah, je me coule comme un étron. Quand tu glisses, ça le fait, hein, le bruit, tout ça, t'as l'impression vraiment que tu glisses dans la... Je crois que j'ai vu un mec bouger, mais je sais pas si c'était pas un bug. C'est joli, hein, putain. C'est plus beau que Black Ops Battle Royale. Hein. Celui-là, non? Ah non, c'est le même. Ah, moi, j'étais déjà oublié quand on lootait, quoi. Tu continues d'aller dans la... C'est joli, hein. C'est vraiment joli. Dégâts de chute. Voilà, tout pris. Dis au mec que tu veux le truc. De quoi? Dis au mec, hé, hey, la zone, the zone, guys. Wow, watch out, the zone. Ça va, on va être très très safe. Une team juste au-dessus de l'eau. Mais fonce, mec. No. No, where? Direction. Ah ok. Ah oui, il y a un portal qui est là. Oh, dirt. Run back in. That was nothing. Ouais, pour l'instant, le jeu il a l'air solide hein, quand même. Je pensais pas que ce serait si bien fichu quoi. GG, t'as plus d'amour. J'ai encore trop d'amour. Ouh, quoi.
merde, de merde. Bon, on aurait tenté de faire des trucs, tu vois. On aurait tué un mec de loin. Je sais pas si le gars est... T'as assuré ? J'ai pas trop compris ce qui s'est passé. T'as assuré, hein ? Ouais, non, mais 100 balles, sans scope. On a fait un petit shoot. Au moins, franchement, le jeu m'a vachement intrigué. Hein. Continue, mec. Tu veux pas tenter, toi ? J'y jouerai demain, mec. Oui, là, j'ai les yeux un peu baisés. Bon, attends, j'ai pas forcément envie de garder les mêmes gars. Intriguant, n'est-ce pas ? Benzaï qui est carré. Intriguant, j'ai envie de dire. En soi, j'aime bien avoir Gibraltar parce que j'ai l'impression que je vais moins prendre cher de face. Mais putain, les mecs sortent ça comme ça alors que... Enfin, par contre, ce qui est bizarre, c'est que les mecs sortent ça. Alors que derrière, il y a Anthem. Qui sort directement à côté, qui est en mode spécial squad et tout. Et ils ont annoncé je sais plus quel jeu en Battle Royale. Mais graphiquement c'est quand même canon et le feeling des armes est plutôt cool. Et bon, je vois pas, je suis pas prêt de m'acheter des vestes sur la skin de Gibraltar, mais bon, on ne sait jamais. En termes de cara design, bon. On est quand même au-dessus de. Merde. Pas Battleborn, l'autre jeu, là. Lawbreaker. C'est quand même un peu mieux, quoi. Oui, c'est ça, ils ont annoncé Battlefield Battle Royale. Ouais. Ils ont plus le choix maintenant. Hein. Ouais, mais c'est. Enfin. Electronic Arts, ils cherchent la merde, quoi. Mais en tout cas, c'est joli, hein. Et c'est déjà plus, c'est plus fluide et plus beau que le Battlefield, le Black Ops 4. Quoi. Après, s'il y a des mecs qui font des grosses synergies de squad, il y a moyen que le jeu soit intéressant. Je le trouve superbe, le jeu. Je le trouve vraiment le magnifique. Hein. Même les couleurs, je trouve qu'ils ont fait un taf d'enculé. The jeu is good looking, no? Apex légende. Bon allez, on essaie de commencer ailleurs. Je commencerai bien là-bas. Ok, let's go. Je suis en train de suivre Wari. Ce qui est bien, c'est que ça a l'air d'être une vraie map de FPS, quoi, pas une map de. De randonnée, quoi. Ah merde, tu l'as vu celle-là? Oui, je l'ai vu, ce truc-là, ouais. Excellent. Oh, attends, là, avec deux grenades, qu'est-ce que tu veux foutre? Oh, attends, j'ai un casque, mais j'ai pas d'arme. I have no arm. Merde, sur la canette, il a mis la photo où j'avais. Oui, oui. Franchement, dans le dessin où je te tends le doigt là, incroyable. Vous êtes les meilleurs, les gars. Hein. Il y en a des beaux fanart, Manu Benzaï, mais celui-ci il est pas mal du tout. Hein. Alors j'ai une espèce de truc. I want more ammo. Ah cool, une body armor, ok, très bien. Shotgun bolt, ah cool. Thank you. Le pick-up est pas mal du tout, quoi. Super. Mais c'est ouf hein, qu'ils aient gardé ce jeu sous le coude comme ça, sans parler de qui que ce soit. Tant mieux que ce soit joué parce que les mecs de Titanfall c'est pas des manches quoi.
Ouais, la map c'est pas de la merde. Par contre là j'ai qu'un fusil à pompe. Hello. What up? We're very new at this game, so. Oups. Oupsie doupsie. Enfin bon, ça c'est la bonne arme à avoir quand même. Tu peux stocker combien d'armes? Deux. Que deux? Ouais, il faut avoir que deux armes. Ah, c'est hoche quand même. Là, faut choisir quoi. Attends, là j'ai un. Là, faut pas que tu lâches le pompe. Mais de toute façon, c'est deux fois la même, c'est Eva auto, Eva auto. Donc attends, celui qui a pas de truc. Je... Et tu peux prendre un gun aussi, non? C'est la même chose. C'est encore. Non, c'est pas le même. Ah si. Tu vois ça, c'est là maintenant, j'ai Eva auto et 45. Ah. Désolé hein, les mecs, on découvre le jeu. Tu vois, et ça, c'est bien ça. C'est un M-Lock Burst. Ouais, ça a l'air cool ça. Là, pour le coup de... Ultimate Accelerant, tu l'as pas pris. En fait, j'ai l'impression que tu peux pas avoir toujours les mêmes perks. After that, we should move, I think. L'autre il dit il y a un truc là-bas. Prendre au cœur, il y a un système pour signaler les ennemis et les objets. Ouais, ouais, ouais. C'est très ça, bien fait. C'est hyper bien fait. Ouais, mais bon. Si tu veux vraiment dire, genre, tu vois, il y a un mec derrière quoi. Tu vois, si tu restes appuyé sur le clic du milieu, il y a un mec derrière, attention, regarde là, protège-toi, attaque, machin, bidule, tu vois. Genre. Ouais, mais bah voilà, la voix c'est 1000 fois plus rapide quand même. Ouais, bien sûr. Ouais, mais tu vois, au moins tu dis, c'est là, tu vois. C'est pas. Ouais. Y a pas d'embrouille quoi. Ouais, je sais pas. Par rapport à la fenêtre. Je trouve que juste. Genre, c'est à troisième semaine, fenêtre, 320 ou 300. Attends, tu sais. Je trouve ça 1000 fois mieux de dire, voilà, 210. Y a des mecs en 210 que. Kill Leader. Kill Leader. Ouais, il y a une espèce d'accent jamaïcain. Alors du coup, y a. Shield cell, thermal urinal, sniper stock. Là j'ai fusil à pompe et machin. Ah, petit truc. Je sais pas ce que je dois prendre comme balle pour le truc. Bon, pour le fusil à pompe, j'ai ce qu'il faut. Mais par contre, pour l'espèce de snipe. Ah, c'est bon, on peut pas glisser vers le haut. Bon, par contre, on n'a pas fait les gros cons. Tu vois, c'est ça les fameux trucs où tu peux faire respawner un pote qui est mort vraiment quoi. Ça m'a posé 10 fois, mais c'est qui le gars avec Manu? C'est Benzaï. T'as vu, regarde, quand tu glisses, ça va vraiment à fond quoi. Ouais. Honnêtement, je le sens la glissade carrément, je trouve ça super stylé. Le bruit qui va avec est super stylé. Regarde ton sac, tu verras les choses inutiles. Ouais, mais avant que... Ah oui, d'accord, genre ça c'est inutile. Ah putain, c'est bien. Enfin, franchement, le gameplay est hyper bien rassé. Bon. J'ai l'épaule qui me gratte. Ah, c'est l'autre. Ah oui, ah Manu. Oh là là. Il y a des gens qui paieraient cher, quoi. Et voilà, l'autre il est parti jouer. Il a perdu.
plutôt que de dire j'ai vu un ennemi là. Tu peux augmenter ou pas? Non, je crois pas. T'es sûr? Parce que là il est marqué x2, mais. Ah, elle shift auto bio zoom. Ah, stylé, ok, d'accord. Là. Je pensais que c'était un vrai snipe. De toute façon, j'avais plus de. Je crois que je l'ai foiré. Wow. En train de te regarder en mode pourquoi t'as tiré, connard. C'était. Ouais, je veux ça. C'est GG ça. Bon, j'aurais essayé de faire le fou avec mon truc. Mais viens, sors de là maintenant. On va essayer de contourner. Parce que là il va se faire sniper, mais ça sert à rien qu'on reste là. Attends, moi je veux utiliser. Si tu pouvais contourner. Mais là t'es à fond là, gros. Ouais mais tu vois je les veux en 4. Tu le laisses mourir ton pote. Ouais mais c'était sûr qu'il allait se faire sniper, là je vais me faire défoncer. Ça monte au-dessus là, non? Ouais, être en dessous en général, c'est pas la meilleure idée. Le stress. Non, mais il est assez. Assez prenant le jeu quand même, mine de rien. Bon, là, c'est con parce que notre pote, il est parti totalement en sucette. Et quand j'ai mis le bouclier pour qu'on se barre, l'autre, il est resté dans le coin. Appuie long sur 4 pour gérer le soin. Ah, ok, d'accord. Ça marche. Ok, je comprends mieux. Je voulais savoir comment, ouais. Bon, moi, les amis, je vais aller me pioter. Comment tu mettais le truc? Je suis fatigué, je vais aller me pioter. Je vais vous laisser tout seul avec Benzaï. Je vais recommencer un petit coup. Puis, Vas-y, fais ta vie, mon gars. Alors, ce serait bien qu'on fasse une game un petit peu plus loin. Mais bon, là, c'est vraiment, on touche au jeu, tout le monde en parle. On a l'impression de miss out. Si, à la limite, tu pourrais même faire une team avec des viewers. Ah, j'avoue. Mais il est trop tard. On fera ça demain, les gars. Ce qui serait stylé, c'est que je ramène mon PC. Ah mais non, il faut splitter la connexion. Mais on peut. J'ai un deuxième câble. Ah. Et du coup, que je joue à deux. Côté, ouais. Ah ouais, DLE, comme ça demain on se fait ça, mec. Ah, je vais le mettre en DL. Allez, à ton corps, garçon. Hey, comment va? Hey, my brother. Where are you from? I'm from the United States. Okay, where? Hey, USA? Yeah, we're in Cali. Yeah, me too. Sous le bordel. Oh, Ninja. Nice accent. Merci, Ben. Demain, on joue ensemble. C'est parti, Ben. Ça roule. Sorry, bro. Sorry. Yours too, man. Sorry, dude. We're streaming. Hey, it's only our third game, so... Regarde le top rank, il a jamais rien fait de sa vie. Ah Ben, tu kiffes le jeu.
I don't know. We don't know the map. Where do you want to go? The desert looks nice. Ah, donc il y a vraiment un jump master. C'est bien de pouvoir vraiment y aller en squad. C'est trop beau en fait. Je trouve ça vraiment trop beau. Ouais, le jeu est vraiment stylé. Je pensais qu'ils auraient rien à apporter au truc, mais franchement, ils ont fait le café. Hein. It's a beautiful fucking game. On revient là. Oh putain, il y a une team juste à gauche. There's a team on the left. On the right. Yeah. Tout est ouvert ici. Oui, oui. Casse la hache. Je pensais qu'il aurait zéro blindage. Désolé, sorry. Je pensais qu'il aurait. Il aurait zéro blindage, zéro rien. J'ai essayé de faire le fou. C'est super. Putain, j'ai mal au pec de l'entraînement. Putain. Il est beaucoup mieux optimisé que PUBG. Hein. PUBG, là, rien que le fait de plonger sur la map, le truc il freeze 10 fois. Mais après, en vrai, moi j'aimerais bien pouvoir jouer sans squad. Hein, mais, Ouais, sur le coup, moi je me suis dit, ouais, bah, le mec il est à poil, il va se prendre un coup de fusil à pompe. Mais faut que les trucs me rentrent un peu dans les doigts, quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup, il y a peu de jeux qui sont moins bien optiques que PUBG, ça c'est clair. Apparemment, la version PS4 de PUBG, c'est horrible. Effectivement. Effectivement. En fait, je comprends pas pourquoi je suis censée être aux Maldives et qu'il n'y a pas de frein sur les vélos. Ça veut dire que si j'ai envie de m'arrêter, je fais comment? Et si j'ai envie de descendre du vélo, je fais comment en fait? Tu mets le pied par terre, chère. J'ai pas de copain. Nabila qui comprend pas pourquoi il n'y a pas de frein sur son vélo et rentre dans une voiture de golf, cette connasse. Quelle connasse. Non mais allô quoi, le vélo. Mais je comprends pas. Et là il y a genre... Mais genre ça c'est sa route, là il y a une voiture de golf. Mon vélo. Et une voiture de golf, elle fait sorry, au lieu de se bouger vers la droite, elle fait sorry, elle tape le truc. Elle tape dedans. C'est quoi. Tellement nul. Qu'est-ce mais là, qu'elle je suis est tout seul, j'ai bonne, mais qu'est-ce qu'elle est conne, putain. Là, je sens, j'ai l'impression que je suis tout seul. Hein. C'est impossible d'être aussi conne, la vie de ma mère. Allez, nouvelle génération, vous êtes dans la merde, c'est ça vos idoles. Vous êtes dans la merde. Je vais aller là directement. Eh putain, le pauvre Benzaï qui a pas de copain. Mais c'est pas grave, au moins je stresserai, mais moi je serai content, quoi. Enfin. Moi j'ai joué à mon rythme. Tu peux les prendre les véhicules ou pas dans ce jeu? Oh c'est trop stylé comment il prend l'arme. Ah ouais. C'est clair. Ah, je crois pas qu'elle fasse exprès, je crois que c'est juste une remarque. Là, au moins on est tout seul, mais au moins on a des trucs. Quoi. C'est pas comment il s'appelle Bunaimin qui dit elle est teubée avec une grande teub. Elle est teubée avec une grande teub. Ouais. Mais lui il est teubée, mais avec une grande teub. Ah oui, j'ai changé de backpack.
Mon idole, c'est pas Nabila, c'est Benzou. Ouais, c'est un peu la Nabila du streaming. Oh là là, n'importe quoi. Non mais allô, quoi. Non mais un hot dog, 10 dollars. Allô. Ah non, mais par contre, ça mais allô. Non mais tu sais, par contre, j'ai vu mon pote David aujourd'hui. Ouais. Et il m'a dit, il me dit, le mec, il a invité les gens, mais il leur a fait payer des trucs. Il me dit, mais jamais j'ai vu ça de ma vie. Et en fait, je crois que c'est le serveur qui a merdé. Parce que quand on y est allé, je l'ai bien vu dire au serveur, ce que les gens commandent, les gens payent pas. Ah oui. Je crois que c'est le serveur qui a fait de la merde. Le mec, il a vu ma tête de pigeon. Il s'est dit, bon, lui, je vais lui mettre un hot dog à 10 balles. De clip de toi qui flippe ta race. Attends, cette arme là c'est quoi? Ah oui, c'est par rafale, ok. Sa mère la pute! Mais combien de fois? Mais sa mère la pute! Ah merde, Antoine, il n'est pas si, c'est pas du gâteau. Des bisous, mon bête. Oh, ça c'est quoi? Ah ça c'est plus un vrai fusil d'assaut. Des bisous Ben. Merci Ben pour la photo du Six Flags. J'espère qu'Abella t'a réconforté après. Ah oui, carrément. Non mais Abella, elle était juste, c'était juste une crème. Elle est vraiment sensationnellement gentille. Elle a dit t'hésite pas. Dès que tu reviens, je suis toujours down pour le Six Flags. Eh hey Blue, si t'es là, tu peux mettre les trois clips. Là, je vais rester sur mon petit outpost là. De toute façon, c'est comme ça que j'aime jouer à PUBG, donc hop. Ah, la touche B pour changer le mode de tir sur certaines armes. Ah ouais, d'accord. Là, je suis en single, là, je suis en auto. Ok. Celle-ci, elle est que en rafale, par contre. Ouais. Mais du coup, celle qui est que en rafale. Dévotion à LMG, ça a l'air pas mal ça. Par contre, il faut des armes, il faut des munitions. Ouf, j'aime bien ça. Et ça tire que en rafale, ça, ou ça tire comment? En single en shot. En gros, pout. Ouais. Ça tire en pout. Clac. Bah, on sait pas comment il a réussi à jouer en solo en fait. Il avait pas de copain. Ouais. Moi, c'est typiquement le genre de truc. Compatible attachment. Ah oui, c'est que je peux. Non, mais je vais garder cet attachment là. Okay. Bon, là, en termes de soins, en termes de trucs, on est pas mal vernis. Hein. He got benzoned. Wow. C'est qu'il y a une. Oui, un coup. Ok, donc A et le bouton là sur la souris, ça fait la. Ça le fait shield. Le shield. Coucou, j'habite là. Tu le fais mal. Là. Ah, par contre, tiens, j'ai beau m'être remis de la. C'était plusieurs aussi. Hein. Mais quand tu tires, je trouve ça un peu fouillé. Par contre, tu vois pas bien. Ouais, c'est que là, le truc, l'arme, je la connais pas du tout. Tu vois, je croyais qu'en fait, ça. Je pensais pas que le rythme de feu augmentait et tout. Putain, pourquoi j'ai dit que j'habitais là, quoi. Dernière. Parce que Freider, il sera 1h du matin. Du coup, demain tu bosses, toi.
Ouais, mais c'est pour ma série RAW, donc c'est rapide. C'est pas aujourd'hui que tu faisais du RAW ? Non, en fait, aujourd'hui, le truc a été annulé, mais j'avais ce rendez-vous boulot, ce okay. déjeuner boulot, et donc je suis très très content d'ailleurs. Okay. Putain. Kitching, 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 kitching. T'as vu ce que Johnny Sins a retweet sur le mal performer, comme quoi c'est toi qui gagne tout le temps ? Non, j'ai pas vu. Mais en même temps, il a raison. C'est moi qui gagne tout le temps. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? En même temps, faut qu'il baise un peu plus que moi. C'est ça le truc, mec. Tu vois ce que je veux dire ? La Kiss Assassins, ça n'est toujours pas entré de Nouvelle-Orléans. La Kiss Assassins, quand elle tweet, elle dit que le meilleur coup de sa life, c'est Wham, pas son que met. Et elle le tweet, donc bon, on va pas non plus... Tu vois ce que je veux dire ? Au bout d'un moment... Vas-y, je vais tenter le ouais, Bloodhound. Là. Demain, je vais essayer le jeu... Mais il est stylé, hein. Franchement, fait envie. Ce que je veux dire, ils sont rentrés de Nouvelle-Orléans, qui s'assignent, c'est tout. Oui, mais apparemment, elle repart bientôt. Non, ça aurait été cool qu'elle vienne pour une ultime radio libre avant qu'elle parte. Putain, truc dans ma chaussette. Il y a une grade qui m'en ouf. Oh, il y a un mec qui a 38 kills. What the fuck? Je suis Jumpmaster, alors là maintenant. Déconnez pas. On va jump masterer là-bas. Merde. Qu'est-ce que t'as fait ? Le pire drop de la Terre. Parce qu'en fait, je savais pas ce qui était hors limite ou pas. Et du coup, ils ont commencé à faire non, mais va pas là-bas. Et ils ont commencé à se détacher de mon propre drop. C'est pas grave, c'est pas grave. Je suis à l'Interstellar Relay. En revanche, en parlant de. En parlant de Johnny Sins. Le pauvre, ça fait 2 années de suite au XB's Award que il gagne un award pour une scène, mais qu'ils confondent avec Derek Pierce. Sérieux ? Donc genre la scène gagne, mais quand ils annoncent les gagnants dans la scène, à chaque fois ils disent Derek Pierce au lieu de Johnny Sins. Oh merde, ça c'est trop nul quoi. Ça me saoulerait un peu quoi. Il paraît qu'il avait des cheveux avant que Manu gagne tout. Vous êtes méchants. Le male porn star le plus populaire dans le monde. Par contre, là-dessus, il n'y a aucun doute. Ah, il a un énorme capital sympathique. Ouais. Ce qui ne fait pas de lui le meilleur acteur porno. Il y a plein d'autres mecs bien meilleurs que lui. Mais faut rendre à César ce qui lui appartient. Ouais. Et là-dessus, ouais. Toutes ces années chez Brazzers ont bien poussé son nom, en fait. Parce que là-dessus, Brazzers, ils font vraiment de la bonne com, quoi. Ouais. Regarde le petit Jordi El Nino, qui est vraiment une tanche au niveau baise, qui est très, très connu, quoi. Mm. Bah, en fait, non, c'est Brazzers qui a fait tout ça, qui a commencé l'histoire des mèmes avec lui et tout ça. Semi-auto sniper rifle. Putain, ce que je voudrais, moi, c'est une des putains de trucs pour des lunettes, quoi. Et en plus, c'est un mec qui est vraiment, vraiment gentil pour le coup. C'est un bon gars. Ouais. Il fait pas de bruit. Il fait pas du tout tsunami à rêve. Ouais, il est pépère, il est gentil avec les gens. Il parle pas, en fait, le mec. Je l'ai rarement entendu parler, j'étais assis à côté de lui toute une soirée. Il a pas mal parlé. Pour les awards, tu l'entends jamais parler quoi. Non mais même pas juste parler quoi, il parle pas. D'accord, il parle juste pas.
Putain, mais le jeu est plaisant, hein, mine de rien. Utilises-tu des produits pour retarder l'éjaculation lors de tes vidéos? Bien sûr que non. Ça n'existe pas des produits pour retarder les éjaculations. Ni les livres. Ouais. Non, mais il y a des gens qui vont dire « Oui, mais si tu prends genre de la xylocaine, ouais, sauf que ça va endormir ta bite aussi et que tu vas pas baiser, quoi. » Et une fois que tu la mets sur ton sgeg, tu commences à baiser la meuf et là, ça va endormir sa chatte aussi, du coup, elle sentira que dalle. Oh, putain, ça a l'air nul. Je suis pas venu, on va faire des papiers pour que tu sois reconnu comme mon frère. Pas de problème, Tarek. Je viens d'aller check son Twitter, il a pas du tout écrit ça. Non mais la vérité c'est que même s'il avait écrit ça, c'est pas faux ce qu'il dit. Tu vois ce que je veux dire? Même si Johnny Sins avait dit ouais Manu il gagne tout le temps. Manu il gagne tout le temps, c'est pas de ma faute. C'est pas de sa faute à lui non plus. Il y a des gens dans le passé qui l'ont gagné, le truc qui aurait jamais dû gagner. Il y a des gens qui l'ont jamais gagné, comme Kieran Lee qui aurait dû le gagner au moins une fois. Quand un mec comme Mick Blue le gagne trois fois... c'est inconcevable que Kieran le gagne pas. Kieran, il est mille fois plus performant que Mick Blue ou que n'importe quel autre performeur. D'ailleurs, c'est pour moi le seul performeur que je respecte vraiment, vraiment, vraiment en tant que performeur, Kieran Lee. Les autres, je sais trop les trucs qu'ils utilisent ou je vois trop la manière dont ils baisent et ils n'appellent pas ça baiser les meufs. Ils font un boulot, mais ils baissent pas. Bon, alors j'ai mon auto-shotgun, mon sniper. Ce que je veux, c'est... Il y a un casque level 2. Très bien. Non, mais c'est comme si les gens venaient me dire... allez dire à Johnny Sins, t'as vu, Manu, il a mis une photo où il dit qu'il est avec... pour aller en haut, ça. Où il dit qu'il est avec le mec avec les 1000 métiers. Tu vois ce que je veux dire? Oui, effectivement. T'as vu? Ouais. C'est trop stylé, ça. Mais après tu planes ou... Ah ouais, putain. Waouh, mais c'est trop de la... Bah du coup c'est cool quand tu dois rush une zone, ouais, quoi. Ouais, c'est ça. Bon attends, comment ça marche le truc où je vois que dans les bâtiments? D'accord. Du coup c'est quoi les ingrédients pour bien faire l'amour dans le porno? Bah pour bien faire l'amour tout court... Bah, soyez attentifs aux femmes, c'est tout. Quand vous faites des trucs aux femmes, faites attention à ce que vous faites, regardez bien ce qui fait réagir dans la bonne direction et continuez dans cette direction, et voilà. Alors je suis un mec qui, ça se trouve, est pas du... De toute façon, personne n'est vétéran sur le jeu, pourtant, là, le mec, je lui... Ah, tu serais surpris. J'ai vu B-Boy et sa team y jouer tout à l'heure, mec. Les mecs, t'as l'impression, ça fait 10 ans qu'ils y jouent. Ah ouais, putain. Salut Portgaz DS. Est-ce qu'il a posé? Ah, il a posé un bot de soin. De soin, ouais. Oh, tu dois aider sans aucun jugement de ma part, juste pour avoir ton avis objectif. Tu penses que tu méritais de recevoir le prix de mal performer cette année, car de ton propre aveu, tu ne tournes pas pour toutes les compagnies et pensais ne plus l'avoir. Oui. Je suis d'accord avec toi, ouais. Je pensais pas le gagner parce que oui, je bosse pas pour toutes les compagnies. Quand j'ai parlé au mec d'AVN, à un des mecs d'AVN, après avoir gagné, quand j'étais derrière, ils font l'interview, tout ça. Et je lui dis, explique-moi parce que vraiment, ils ont tous plus, tu vois, il y en a beaucoup qui ont plus travaillé que moi. Et il m'a dit, mais en fait, on juge pas qui est le meilleur performeur sur la quantité du travail, mais sur la qualité du travail. Il m'a dit, toi, tout ce que tu as fait, c'était au-dessus du level et à leur avis, pour les voteurs, et surtout constant, quoi. Consistant. Donc voilà. Mais oui, il y a des années où j'ai fait, où je méritais plus et je ne l'ai pas gagné. Et cette année, je l'ai gagné. Maintenant, comme je dis toujours, mérité ou pas mérité, tu gagnes, tu dis merci, tu gagnes pas, tu dis bravo au mec qui a gagné, c'est tout. J'ai eu beaucoup de chance d'être aimé quand j'étais gamin et de pas avoir besoin d'attention malsaine. Des trois quarts des mecs qui vont venir te lécher le cul et après qui vont mal parler derrière. D'ailleurs, j'ai recadré deux mecs aujourd'hui. J'ai fait exprès d'aller sur le tournage de ma meuf pour les recadrer d'ailleurs.
Il y a des mecs qui se tapent. Ouais, il faut savoir que les mecs dans le porno, c'est les plus grosses putains que vous puissiez rencontrer. C'est les plus gros fébriles et c'est les mecs les moins sûrs d'eux que j'ai rencontrés de ma vie. Tu penses, Manu, que ta chaîne Twitch qui marche bien a joué un rôle dans le fait de gagner ou pas? Oui, mais bien sûr. Ils vont juger ma manière de baiser sur ma chaîne Twitch. C'est pas valable que pour le porno. Non, c'est vrai, mais croyez-moi, dans le porno, c'est même bien, c'est x10. Les mecs sont en train de se buter, c'est limite s'ils sont pas hors de la zone. Enfin, c'est assis, ils sont bien. Comment tu veux ? C'est pas faux, Mansco. Ah non, mais les deux mecs que j'étais... J'étais sur le tournage de ma meuf parce que c'est les deux mecs dont j'ai entendu qui parlaient justement. Ouais, mais pourquoi Manu il a gagné? Et ma meuf elle faisait tourner les deux, du coup je suis allé sur le tournage et je leur ai posé la question. Alors il paraît que vous avez un problème avec le fait que j'ai gagné cette année. Et les deux bouffons ils ont fait ah bah non, non, j'ai jamais dit ça, on n'a jamais dit ça, pourquoi tu dis ça Manu? Ah, t'inquiète, je sais que la personne qui me l'a dit, tu vois. J'ai un peu casse-pipe. Non. Non, bah, je viens de dire l'histoire du recadrage. Mais bien sûr, ils ont bégayé. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ma meuf, elle m'a regardé, elle était trop vénère après moi, en mode humilie les mecs et après, ils vont pas bander sur la scène. Tu vois, c'est. En plus, on était bien. Je cherche vraiment juste la merde. Hein. Tu te demandes pas pourquoi tu as pas gagné. Demande-toi ce que tu devrais faire. Pour t'en approcher plutôt. Ouais, c'est sûr. Mais la vérité, c'est que tu devrais même pas te poser la question de gagner ou de pas gagner. C'est que si tu bosses pour gagner des awards, t'as rien compris, quoi. Si tu fais ce boulot juste pour gagner des awards, et si c'est ça le but de ta life, t'as pas compris. Non, il y a de la jalousie entre actrices. Par exemple, une meuf comme Abella que j'adore, vraiment, c'est ma pote. Mais elle pète les plombs. Elle fait la meuf genre je m'en bats les couilles des awards, mais... Colper, elle est vénère pour de vrai. Abella, elle s'embrouille avec plein de meufs parce qu'elle parle trop mal. C'est bon, tout va bien. Elle a gagné Most Epic Ass. Mais tout le monde... En fait, le problème, c'est que les trucs de... Les fans votent, les gens s'en battent les couilles. Oui. Dans le business, tout le monde a compris que plus tu auras de followers, plus tu as de chances de gagner le truc. Tu vois, par exemple, moi, si j'avais voulu mettre la pression... J'aurais pu dire sur mes streams, hey, allez voter pour moi tous les jours. Sûr, tu gagnes le truc. Ouais. Mais ça m'intéresse pas de demander aux gens de voter pour moi ce genre de truc, tu vois. C'est quoi pour les hommes? Parce que t'as Most Epic Ass, Most Spectacular Boobs, mais il y a quoi comme fan vote? Il y a Favorite Performer, ce qui est Johnny qui a gagné Favorite Performer. Ouais. Il m'en fout avec ces trucs là. Il reste 20 mecs, 7 squads. Ah, c'est cool par contre que ça te dise combien de squads, tout ça. Attends, ouais. Seven demander de voter, donc bon, ça cherche à gagner de ouf. Bah oui. Mais bon, il n'y a pas de mal à ça. Merci Seb93260 pour les 2 mois. Il y a de l'oseille à se faire avec le stream game, bah pour ceux qui sont pros, oui, Ben c'est son métier, donc oui, forcément, il y a de l'oseille à faire. Sinon, mais c'est... Sinon, je le ferai pas. Mais moi, ce qui me fait marrer, c'est quand les gens pensent que c'est facile, en fait. Ah non, je pensais que t'allais dire, moi, ce qui me fait marrer, c'est quand les gens pensent que tu fais du stream
comme reconversion parce que le porno ça commence à, ah ouais, ça à aussi, galérer. Ça aussi, ça me fait tu commences à pas trop gagner ta vie. Quand il y a des gens qui pensent t'es que. T'es là pour prospecter des nouveaux clients. Ouais, je me suis mis dans le stream pour gagner de l'oseille parce que le porno ça paye plus. Pour revendre des VOD pour que. Parce que putain, c'est la galère, mec. Moi, je suis content que t'aies gagné juste pour ça. Pour que les gens, des fois, ils se disent moins « Oh là là, il est obligé d'aller sur Twitch et de payer Benzaï pour se faire de la promo. » Ouais, ouais, c'est exactement ça. Non, non, moi, je suis... Pourquoi ça m'a fait plaisir vraiment de gagner cette année ? Parce que ma femme a remporté réalisatrice de l'année et le fait qu'on gagne la même année, c'est super cool, quoi. Ouais. Est-ce que j'envisage une carrière en cinéma traditionnel aux US en... La vérité, c'est que si on me proposait des rôles intéressants, oui. Mais jusqu'à maintenant, on me propose des rôles d'acteur porno dans un film tradi, ou du mec qui baisse des putes dans un film tradi, ou un mec qui est mort à poil. Tu vois, c'est des trucs qui m'intéressent pas. Non, ça m'intéresse pas de parler du salaire d'un performer, mec. Streamer, c'est easy, c'est attirer du monde et délivrer du contenu jour après jour. Eh ben justement, c'est pas easy. J'adore quand tu dis streamer, c'est easy. C'est attirer du monde et délivrer du contenu jour après jour qui est difficile. Non, ben justement, c'est ça. Être streamer, donc forcément, tu te contredis dans la même phrase, mec. Bien les textures du jeu et tout, franchement tout est assez canon. Manu, je le vois trop en série, genre Braco. Ouais, je kifferais un truc comme ça. Ça veut rien dire la glissade, quoi. Le mec il s'est mis sur son cul. Son cul c'est une auto-tamponneuse, quoi. Remets-toi du shield Benzaï. Allez, donc attends, tu restes appuyé sur 4. Ce qui me fait de la peine, c'est ceux qui s'acharnent sur Twitch et que ça ne marche même plus. Ouais, mais il y a beaucoup plus de streamers pour qui ça marche pas que le streamer pour qui ça marche. Maintenant, tu t'arrêtes pas, quoi. Tu continues, tu fais des rencontres, tu... Ah ouais, c'est que j'avais pas trop fait la différence entre... Tu bosses quoi ? Il reste 15 mecs. Et que streamer ponctuellement c'est facile, mais tenir sur la durée est compliqué. Non mais streamer c'est ce dont il a parlé en disant que c'est ça qui est difficile, c'est ça streamer les gars, faire du contenu jour après jour. C'est ça. Je veux dire que c'est quoi d'autre streamer? Jouer aux jeux vidéo devant du monde, ben, oui tu fais du contenu. Manu, gagner un AVN majeur a des répercussions sur la carrière d'un performeur ou c'est anecdotique? C'est plus anecdotique, ça va peut-être aider certains, mais pas vraiment. Je veux dire, moi, c'est pas ça qui m'a aidé. Moi, ce qui m'a aidé dans ma carrière, c'est que les meufs me kiffaient, quoi. Du coup, partout, toutes les meufs demandaient à toutes les productions de les mettre avec moi, quoi. Tu penses quoi de Michelangelo? Je la fais longue ou je la fais courte? Allez, je la fais courte, je l'aime pas. Du tout. Ah, il voulait faire tout le tour. J'ai l'impression qu'ils parlent sur un canal entre eux. Ouais, ils adorent tes anecdotes et ils osent pas parler. Je te jure. Putain, on est bien à flanc de colline. C'est bien, c'est je voulais faire au moins une game comme ça, même si elle est un peu en mode lolotte, mais... En vrai, Manu, sois honnête, t'as été gâté par la nature en premier lieu. Non, oui, c'est vrai. J'ai été gâté, pourquoi? Un, j'ai une grosse bite. Et deux, j'ai la libido qui va avec. Donc forcément, ça m'a beaucoup aidé. Tout le monde ne peut pas faire ce métier de la manière dont moi je l'ai fait. C'est vrai que de nos jours, il y a beaucoup de mecs qui font ce métier. Faut être un chien de la casse. Moi, j'ai eu la chance de faire ça. C'est ma 22e année de métier. J'ai jamais touché à une pilule, j'ai jamais touché à quoi que ce soit.
Salut Kenny, comment ça va? Votre avis à vous deux en un mot sur le jeu pour éviter de le faire répéter quelque chose quand t'as déjà fumé. Kenny, on vient juste de commencer quoi, c'est que la troisième ou quatrième game. Et moi j'ai pas mis la main dessus donc. Ben il me laisse pas jouer depuis tout à l'heure. T'as proposé 100 fois de tester. Bon, alors le truc c'est que le ring il est par là. Donc soit on fait le tour quand ça va se réduire. Et pour l'instant je vois personne, ça qui est ouf. Oh putain ils ont fait le tour. Je suis tellement à la ramasse quoi, je suis en mode petit frère là. Cette crotte qui descend les lavabos quoi. Et tu peux le faire que où c'est mouillé ou partout où c'est en pente? Non, tout ce qui est en pente. Je crois pas que t'es dedans, que tu sois dedans. Je crois que t'es juste en dehors, non? Non, c'était bon. Il reste 3 escouades, t'as vu, il arrête de dire combien il en reste. Donc il reste que 2 autres escouades. Escouade. En termes de notoriété, tu penses avoir atteint ton maximum ou tu penses pouvoir aller encore plus loin? Je pense aller plus loin. T'aurais pu l'avoir si t'avais rechargé. Merci, j'en sole pas. La panique d'un homme. En même temps, là, je testais mon ulti, je comprenais rien. J'aurais dû rester loin et puis j'aurais aimé avoir une putain de lunette pour ce sniper. Déjà, ça aurait beaucoup réglé la situation. Tarek, je sais pas encore lorsque je serai en France. Je sais pas encore. Les amis, je pense que on fera pas mieux. Attends, je vais m'asseoir là. On a été dans les derniers. Au moins là j'ai pu faire la game jusqu'au bout, voir un petit peu comment ça se passait. C'est encore la panique quand merci, il s'agit de se taper. Motor, mais, Motor de R, merci beaucoup de rejoindre la Team Canet. À partir de maintenant, nous sommes frères. One pass. Bon bah c'était bien cool les gars. Ouais, Apex, très bonne surprise. Hein. J'ai hâte de m'y mettre dessus. Même si demain, ça... je vais essayer de. On vous a pas fourni du grand game, mais... J'essaierai de gérer aussi bien que toi. Mais le jeu est bien fichu, quoi.